journées Cobra Days, c'est le rassemblement du club Cobra France, qui est un des clubs Cobra et qui regroupe les amateurs de cette mécanique bien particulière et tout à fait exceptionnelle. Et c'est à ce jour le rassemblement le plus important qu'on ait connu de Cobra en France, et je crois bien même en Europe cette fois-ci, parce qu'on va réunir cette année 55 Cobras. Oui, et on peut tout à fait relier la réunion, ce rassemblement exceptionnel à toute l'action qui est menée, toute l'action de stratégie partagée qui est menée par le comité régional du tourisme avec les départements de la Haute-Vienne, de la Creuse et de la Corrèze, qui vise à trouver toutes les stratégies pour toucher cette clientèle des clubs d'amateurs de voitures anciennes de prestige et un peu particulières de collection. Et là, on est dans l'exemple même de l'aboutissement d'une de ces actions qui ont commencé à être menées sur le stand de Rétromobile, qui est le salon qui regroupe la plus grande de ces populations sur Paris au mois de février. Et là, on est tout à fait dans les résultats positifs de ce travail sur les groupes affinitaires. Ouais, les carreaux chez moi, c'est moi qui les fais. C'est vrai ? Eh oui. Je suis membre du club, mon fondateur même du club, puisqu'on a créé ce club il y a 4 ans. Voilà, il y a un club qui réunit aujourd'hui 180 propriétaires et 200, presque 300 membres. Presque 300 membres, il y a aussi quelques sympathisants. Et on se réunit ce week-end encore en Corrèze pour la troisième édition de ce qu'on appelle les Cobra Days. C'est donc la réunion du Cobra Club de France. Et c'est la deuxième fois que nous faisons en Corrèze. Déjà l'année dernière, c'était en Corrèze. Et voilà, donc on est parti pour 2 jours de rallye voilà, à travers la Corrèze, l'Auvergne, le Limousin. Enfin, voilà, on va se promener un petit peu dans le coin. Là, les membres du club, on vient de toute la France. Il y en a même qui viennent de Belgique. C'est aussi une bonne façon de découvrir la région.